Hello there, c'est Skull. Bienvenue sur l'épisode 7, si je n'abuse, de la colonie Heartless Gaming sur Rimworld. Et donc, on reprend là où on était la dernière fois. Au programme du jour, on va donc résoudre un problème d'électricité, parce que là, je vois que les batteries tombent à plat, on consomme trop. Donc on va demander à installer une nouvelle éolienne, avec le steel qu'on a ramassé la dernière fois, parce que je crois que du coup, il doit en rester encore un peu. Compacted steel, yes, il en reste encore pas mal, donc du coup, on peut se permettre de balancer une nouvelle wind turbine. Alors j'espère qu'elle est dans le bon sens, je vais vérifier. Non, évidemment, elle ne l'était pas. Ah là là, la loi du stream, quand tu nous tiens. Parfait. Donc, avant de rajouter des batteries, on va d'abord essayer de les remplir. Nous avons deux panneaux solaires et deux wind turbines. Accessoirement, du coup, on a notre nouvelle dumping stockpile zone qui devrait commencer à faire effet. On va regarder ce qu'elle peut contenir. Pas de food, pas de manufactured. Non, ça n'a pas de sens. Ce qui serait bien, c'est qu'elle soit assez grande pour accueillir tous les cailloux. Donc ici, on pourrait demander à la zone de pas prendre de cailloux, si possible. Donc, hop, chunks, on va dégager ça. Et donc, du coup, on va essayer de les accepter ici. Chunks, yes. Et on va la mettre en normal. Et ici, elle doit rester en normal aussi, c'est parfait. Très bien, très bien. Bon, je vais laisser le temps défiler x3. Ça serait bien que je trouve une solution à ça. J'ai remarqué aussi que tout le monde avait des vêtements tout niqués. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu Pipoun tout à l'heure passer. On a des pantalons qui sont faits. Malheureusement, ah si, je vois la qualité là. Il y a du good, oh, il y a du good, du shoddy, du pour. Bon allez, ce qu'on va demander, c'est que par exemple Jenkins, dans le gear, on va te demander de lâcher. Bah non, Jenkins c'est bon. Ah non, Jenkins aussi? Tâteur d'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire tâteur d'appareil? Qu'est-ce que ça veut dire tâteur dans l'anglais? Ah, c'est peut-être ça. Hop, lâche-moi ça. Hop. Skull, qu'est-ce qui est. Ah oui, 8%, ouais, c'est peut-être pas terrible ça. Ensuite, est-ce que ça les a retirés de la liste? Yes, donc c'est ça en fait. Tout ce qui a un pourcentage faible, donc il dit ça devrait être bon. Ok, alors, Herring failed. Oh, t'es sérieux? Oh, non, mais tu nous coûtes trop cher là. Ça coûte cher à faire, hein. Ah bah merci, hein. Ah vache. Ok, blocked by tree. Donc du coup, toi, hop, t'es coupé. C'est quoi la touche déjà? C'est Y, nickel. Oh là là, si vous saviez. Ce matin, je suis allé faire du sport. Je suis grimpé sur les poutres. Et ce qui m'est arrivé, c'est que mon téléphone est tombé de ma poche. Et je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Il s'est cassé. Et donc l'écran est complètement explosé. Donc je sais pas trop quoi faire, mis à part me dire que bah, je vais essayer de faire la réparation comme je peux, quoi. Je me demande si c'est capable de faire ça, si je peux faire ça moi-même. Ce serait cool si c'était possible. Malheureusement, j'ai pas l'impression, donc voilà. C'est les aventures du Kumaché, la Legacy des Ledru, c'est ça, c'est que on pète absolument tout. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vent en ce moment-là, parce que vu comment ça clignote, on se croirait dans un film d'horreur, quoi. Slenderman va apparaître dessous les fourrés. C'est pas que. Ça m'arrange, j'aimerais pas trop quoi. Tâteur d'appareil. Oui, on continue. Guilty du coup. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Qu'est-ce qui va pas là? T'as du kibble pour tes animaux, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui va pas là? C'est parce que t'as ça à 40%? Oui, mais si tu veux, ça te protège des balles donc. Donc voilà quoi. Donc je vais te le laisser, écoute. Hein, mais. Bon, allez, je te le retire parce que. Est-ce que ça marche? Ah d'accord, donc tout ce qui est à moins de 50%, ça va pas quoi. Ah ouais, ça, 3%, c'est pas bon. Shoddy, 1% et Forced. Ah bah putain, y a rien qui va pour toi. Ensuite, et le dernier, c'est Pipoun. Et Pipoun, ce qui lui va pas, c'est cette clove parka. Ok, ouais, bah je sais, bah, ça va, c'est pas la peine de faire Slenderman. Ce qu'on peut faire, c'est que. Tu peux reconnect ou tu peux. Ah oui, d'accord, il y a toutes les lampes et tout qui clignotent du coup. Et donc du coup, il passe de content à pas content. Et ça, hop. Ok, donc ils ont s'équipé. Alors ça, je sens que c'est Skull qui est en train de nettoyer des trucs. Très bien. Est-ce que ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut couper des choses là-dedans là? Oh putain, c'est l'heure du raid. Donnez-moi 2 secondes. On peut faire des trucs de fou! Gladius! Longsword, Gladius, Shiv, Spear, Mace. Je veux que les gens y portent. Genre, Gladius, je sais pas c'est quoi, donc on va le faire. Et Longsword, je veux que quelqu'un arrive à me faire ça. Je sais pas comment, mais bonne chance. Bon, alors, comment on fait pour couper des blocs, là? Ah, et on a réussi, en fait!
On commence à avoir des blocs. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire des défenses. Magnifique. Ce qui serait encore mieux, ce serait de pouvoir transporter. Tu sais, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va pas autoriser les. Bah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc Skull va se bouger le fion pour le faire un jour ou l'autre. Ok, hello there. Nous, c'est Heartless Gaming et on va se mesurer à vous. Ok, donc toi, t'as une masse, un arc. Ok, mais c'est vraiment, il y en a pas un qui a des pistolets, des trucs comme ça. Alors, par où est-ce que vous arrivez, accessoirement? Est-ce que vous arrivez maintenant, déjà? Oui, vous arrivez maintenant. Et vous arrivez par là. Tout le monde se sort les doigts du cul. Sortez-vous les doigts du cul! Ce draft et va au milieu. Et c'est parti. Ok, donc là, on est pile à temps. Alors, le truc, ce serait que Guilty... Alors, Muguet, il va devant. Jenkins, il va à gauche. Yes. Donc là, voilà, c'est parfait, c'est du 1v1. Oh, les alpacas, laisse tomber. C'est la fête du string. Ah, c'est excellent. Tiens, mini attaque, lui. Non, mini attaque Muguet, hein. Wolverine, hein. Oh, putain, m'a fait peur. Ensuite, ok. Donc, Muguet, tu vas aller mêler attaque cet homme qui ne bouge pas. Voilà, il connaît pas la règle de base. Dans les FPS, faut toujours bouger. Et mêler attaque, bah, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Mule. Voilà, parfait. On y va progressivement. Ça se trouve, en tuant les deux derniers, là, ils vont arrêter de... d'attaquer. Je pense qu'ils vont même prendre leur retraite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir le coup. On va demander à Guilty, qui a ses super alpacas, d'aller attaquer cet homme. Donc, on va lui demander de se foutre là, avec ses super alpacas. Eh, mais franchement, Guilty, le mec qui s'attaque à lui, j'aimerais pas être à sa place, hein. Donc là, typiquement, ce qui va lui arriver à cet homme, c'est que... Ouais, voilà. Eh, oh, dis donc. Undrafted, c'est bon, il en reste qu'un, ça va, quoi. C'est bon. Ils sont en train de s'échapper. Qui c'est qui sont en train de s'échapper, là? Non, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Je veux pas qu'ils s'échappent. Oh! Oh, vous vous êtes fait, genre... Ah ouais! D'accord. Skull, t'as du taf, là. Guilty, du coup, undrafted, strip-moi cet homme. Ça fera des affaires, en plus. Où es-tu, Skull? Skull, là, c'est le moment de se bouger. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord, tu les enterres. C'est peut-être pas bon, là, tu vas peut-être aller rescuer Muguet, si tu veux, en urgence, le plus vite possible. Ok, Pipoun, il mange son repas. Ok, tout va bien, on a réussi à survivre. Alors, ce serait bien qu'on arrive à remplir les batteries. Je pense qu'il nous manque encore des panneaux solaires ou des wind turbines. Je pense que c'est depuis qu'on a installé cette chose-là. Cette chose qui nous permet de faire ça. C'est sûr. Ah bah, tant pis, on enchaîne. On en refait une autre parce que je pense qu'on est encore assez riche en style, exactement. Et donc, et ben on va la faire. Alors, est-ce que ça fait pas un peu large par rapport à notre mur de défense? Non, je pense pas. Je pense pas. Ou alors, bah non, on va la mettre là, tiens. Hop. Et puis on la reliera au réseau avec un câble. Nickel. Donc je vais, tant que j'y pense tout de suite, c'est bon. Power, conduite. Et tout on va relier ça à la grille. Nickel. Voilà. Alors, toi, est-ce qu'on peut... Power conduit, non, ça va, ça ira, merci. Alors toi, est-ce qu'on peut te strip? Oui. Est-ce qu'on peut te rescue caring et firefighting? C'est vraiment chiant. Pipoun, écoute, rescue-le, on verra ce qu'on en fait après. Enfin, capture-le, on verra ce qu'on fait après. Est-ce qu'il y en a un autre à capturer? Non. Cet homme va être strippé. Wolverine, du coup, prisonnier, on va... Est-ce qu'on le recrute vraiment? Non, on va le release. Je prends vraiment que les gens qui peuvent au moins transporter des choses. C'est vraiment trop important. C'est vraiment trop important. Ou alors, non. Parce que à la limite, je peux faire Skull le faire. Il a quoi? Est-ce qu'il a au moins quelque chose que je fais pas bien? Genre du crafting. Ouais, mais t'es niveau 3, quoi. C'est un peu chiant. Par contre, t'es bon en shoot et en mêlée. Après, tout est ralatouf, hein. C'est juste la médecine qui peut pas faire, et Caring... qui c'est qui pouvait pas Caring? C'était pas Ehring? Si, c'était Ehring. Mais en fait, Caring, je sais pas ce que c'est. On va regarder dans le détail ses traits. Alors ça, c'est quoi? Ah ouais, non, non, ça, je veux pas. Non, non, ça, je veux pas. Les drogues et tout, mon pote, pas ici. Ça fait pas bon ménage, ça me fait encore trop peur. Donc, on le laisse en release. C'est parfait.
Actuellement, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il ne reste plus que 11 herbes médicinales, donc ça serait bien que ce truc-là avance. Et ça, je suis pas sûr que ça ait le temps de pousser, parce que quand on va arriver en hiver, on va vraiment morfler. Et ça, ce serait dommage. Cargopod nous a... Oh yes! Du clof! Give me! Et ça, on va hauler aussi, parce que c'est pas mal. Hop, hop. Ça, le jour où on pourra en transformer en style, ce serait vraiment génial. Tiens, Pipoun, tant que j'y pense, ça fait longtemps que t'as pas chassé quelque chose. Hunt, ça serait bien qu'il puisse avoir un assault rifle plutôt, c'est plus puissant ça. Normal et pour. Donc il y a plein de gens à soigner, tout ça. Bon, tout le monde a l'air d'être remis sur pied à peu près, je pense que tout le monde a fait le job. Oula, sauf Muguet, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Left arm! Oh! Tu t'es fait couper le bras. Tu t'es fait couper le bras, mec. Muguet s'est fait couper le bras. Muguet s'est fait couper le bras, je m'en remets tellement pas. Quelle horreur. Tu sais ce qu'on va faire, Muguet? J'ai une idée. Tu vas pas le release. Pas encore. Tu vas le mettre en non-interaction. Et ce qu'on va faire, c'est que... On va faire... Normalement, on peut faire avec les prisonniers... Opération Ad Bills. Est-ce qu'on peut lui prendre un bras? Install denture, harvest heart, left lung. Là, je suis désolé, mais on va te retirer. On va te retirer ton cœur tout frais. Eh, franchement, là, on va y aller. Hein. Donc, d'abord, on va l'euthanasier. Après, on va retirer un cœur. Ah ouais, but no médecine. Et puis, j'ai pas beaucoup de médecine. Ouais, non, ce sera pour la prochaine fois. On va plutôt garder notre médecine parce que... Ouais. Mais vous avez vu l'idée? Ouais. Tu t'en sors bien cette fois-ci, va bonhomme. Tu t'en sors bien cette fois-ci. La prochaine fois, je te raterai pas. Ok, donc là, ces trucs-là, ils commencent à se faire transporter. Notre windmill, est-ce qu'elle avance là? Ouais, je pense qu'elle est reliée. Yes, nos batteries commencent à revenir à la vie. Et notre système a déjà été terminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à faire des murs qui soient un peu meilleurs. Donc, on va prendre... Qu'est-ce qu'on a comme bloc en trop, là? Ça, c'est quoi, ça? Granit. On a beaucoup de granit. Donc on va se faire ça, du granit. Architecte. On va se faire des murs en granit, ça me va bien, ça. Structure. Wood, granit, bloc. Et ça, ce sera notre première ligne de défense. On va la faire deux... Quelque chose comme deux de là. Not enough stored. Dans ce cas-là, on va trouver des blocs de granit. Et du granit, il y en a là. Et ça, on va le haul. Donc là, vous avez besoin de hauler tout ça. Et donc là, c'est parti. On commence à faire nos super défenses. Et ça, c'est du bon. C'est du très bon. On peut imaginer aussi qu'à la place du granit, on peut faire aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme. N'importe quoi. Cancel. Qu'est-ce qu'il y a comme pierre qu'on a? On a du limestone. Limestone, c'est très bien aussi. Donc on va aller hauler tout ça. Bon, pareil, et on va faire un mur en limestone ici. Et ce sera un peu notre fil rouge. Je suppose que ça, de manière, ça prend du temps. 10 ans. Oh, pop, j'ai vu un truc en bas là. Et on va se servir de ce mur-là. Ouais, ça me va bien. Et celui-là, on va le faire en limestone. Nickel. Alors on va le faire premièrement comme ça. Alors, Jenkins has gotten sick from infection. Skull, où es-tu? Ça, c'est Jenkins. Jenkins, fais voir, est-ce que t'es traité? Hypothermia, shivering. Il fait quel... Ok, d'accord. Ok. Alors là, tout de suite, fourniture, ou alors non, c'est température. Heater, ouais, pardon, c'est ça. Là, il y a une ventilation, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer à côté des malades. Oh, waouh, ça, j'avais pas pensé, ouais. Et ça, on va le faire tout de suite, si possible. Qu'est-ce qu'il fait, ce que là? Il continue de hauler les trucs, en fait. Il a un boulot de ouf à faire. Il bouge tous les cailloux, comme un gros fou dans sa tête qu'il est. Ce serait bien qu'on ait plus d'auto d'or aussi, mais ça coûte un peu de batterie, et on n'est pas bien en batterie en ce moment, donc il n'y a pas beaucoup de vent. Donc voilà. Oh, il y a, je sais pas si vous avez remarqué, il y a de la laine d'alpaca par terre là. Cut off. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Infection mineure. Très bien. Ok, nickel. Mental break. Ah ouais, d'accord. L'endroit est tellement moche que t'en pouvais plus quoi. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre cher ami Ering. Il peut pas clean. Putain, bordel. Bon, on va mettre tout le monde à clean 1. Hein.
C'est bon, là, faut que tout le monde y puisse clean. Mais tout le monde est tellement surtaffé en fait que c'est compliqué. Ideos environnement, et c'est sûr qu'avec tout le sang et tout là, c'est pas ça quoi. Est-ce qu'elle y continue de transporter tous les cailloux? ce qu'on aurait fait en fait, c'est qu'à la place qu'il transporte. Ah non, il met le clove aussi, c'est cool ça. Le clove se met là aussi? Fais voir. Appareil. Headgear, weapons, items, fournitures. Je vois pas bien là. Je vois pas. Ah, oh, j'ai encore. Merde, où est-ce que c'est déjà? C'est pas appareil. Non. C'est dans re-ressources. Non, toujours pas. C'est dans manufactured. Textile. Yes. Donc là, on accepte le textile ici. Ce qui me convient parfaitement. Et on l'accepte là aussi. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va péter le mur. Et qu'on va demander, pétez-moi tout ça. Voilà. Donc du coup, ça ne fera qu'un. Et ça, c'est plaisant. Hop. Ordre. Du coup, c'est une stockpile. Et normalement, toute cette zone devrait avoir. Ça devrait être une seule même. Attends, delete. Zone area. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer tout à zéro. Dans cette zone, du coup, je veux. Et cette zone, elle fait quoi? Pourquoi je peux pas les lier? Bon, bah, on recommence tout. Hop. Delete. Ensuite, on prend. Je vais faire pause que si Skull commence à déplacer des trucs, je vais pas être content. Stockpile. Hop là. Ensuite, dans cette zone, on demande à faire. Toc, 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 toc. Pas de viande. Pas du tout. Clear all. Je veux du manufacture. Je veux de la plant matter. C'est quoi déjà? Des hops? Non, ça va être dans le freezer. Les items, je les veux tous. Les weapons, je les veux tous. Les apparels, je les veux tous également. Et les chunks, je n'en veux pas. Et les corps, surtout pas. Roule ma poule. Très bien, très bien. Est-ce que notre mur avance du coup? Bah, je suis pas sûr. Ça a l'air, vite fait, ouais. Donne-moi 2 secondes. Ok, nickel. Ok, donc mine de rien, ça avance. Il faudrait qu'on arrive du coup à faire en priorité des. Quelqu'un. Faut vraiment que je prenne quelqu'un qui. Qui fasse ce qu'il faut là. Bon. Est-ce qu'on a fini tout ça là? Il y a encore des parkas à faire. Je pense qu'on va refaire des pantalons accessoirement aussi. Et des t-shirts parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on pourra en avoir besoin. Le prochain que je vois qui est un peu pas occupé, genre Skull, parce que j'en ai un peu marre que tu ramasses des trucs, tu vas aller ici et tu vas aller stone cutting. Ring, où es-tu? Tu aides à construire la muraille de Chine, c'est nickel. Donc Skull il nous fait des blocs, c'est génial. Les blocs il les range où? Est-ce qu'il les range là les blocs? Voyons voir. Où est-ce qu'il est Skull? On va voir. Pour l'instant il les range ici. Les blocs où est-ce qu'on va les ranger? Tiens, bon, on va les ranger là vu qu'on va dire que ça va être la pierre. Donc du coup les chunks sont déjà là, c'est nickel. Hop là. Très bien, donc nos batteries tiennent le coup quand on a nos 4 machins qui tournent. Et ça c'est pas mal. J'aimerais bien qu'on ait un trader, ça fait vraiment très longtemps. Tâteur d'appareil, Skull. Oh putain, et ça arrive trop souvent, c'est chaud, hein. Clove-Touk, 35%, c'est plus bon. Armor Vest, bientôt. Et enfin, Pipoun, 27%, oui, non, ça, faut que ça dégage. Critical, Severiness, tu es sérieux? Oh my god, va t'allonger, Jenkins. Là, il faut que tu. Faut que tu viennes t'allonger, qu'on s'occupe de toi. People are risk of death. Bah oui, mais écoute, là j'essaie de m'occuper de toi, mais tu veux pas. Ah, c'est qu'il fait un. Mental state hiding in room. Oh, for fuck's sake. Oh putain, ça c'est pas cool. Target température 21, c'est parfait. On va en installer d'autres, hein. Des healers, parce que là on est à 4 degrés et que ça commence à être l'hiver. Donc on va faire ce qu'il faut pour. On a encore du style ou pas? IS 143, je pense que ça. On a assez. On a assez. Style. Non, c'est température, heater. Et on va le mettre dans la chambre du milieu pour répartir sur les autres. Est-ce qu'il a vraiment la meilleure chambre? Petit cochon. Vent. Hop, on va mettre un là et là. Et ça coûte combien ça? 30 style. Ça coûte 65 style et 30 style. Le problème c'est que Jenkins là, si tu. Oh, c'est parti, Skull. Viens là ici tout de suite, rescue-moi Jenkins, le plus rapidement possible, et tu le traites et tu lui fais tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a de la médecine? Yes, on a 24. Oh, ça veut dire qu'on a eu de la. Non, Skull, t'as pas compris. Là, ton camarade, si je le perds, je vais pas être bien, mais du tout. Vraiment pas du tout. Et Ring, en fait, je l'aime bien.
mine de rien. Je suis content qu'il soit là. Je suis content qu'il soit là, parce que du coup, on va essayer de le faire prioriser ces trucs-là. Tailoring, smithing, parce qu'il y a tellement peu de personnes qui le font, qu'on va lui dire de le faire quand même. Le manning aussi, lui, ce sera un homme à tout faire. Il va vraiment faire le mieux qu'il peut tout le temps. Et puis au pire, il progressera comme il peut jusqu'à temps qu'on ait un meilleur que lui, hein. Après tout, il faut faire avec ce qu'on a. Bah oui. Ok, très bien. Ça, c'est quoi? C'est du slate. Le slate, c'est sympa aussi. Donc, alors, est-ce qu'on a besoin de refaire des recherches tout de suite ou pas? Pemmican, carpet. Je vais prioriser les murs pour l'instant. Je vais en prioriser les murs. Slate chunks. On va dire oui. Et là, du coup, là, je vais continuer le mur en slate. Ça va être absolument horrible. Ça va être slate blocks. Yes. Et donc, on va faire jusque là pour l'instant. Oh, ouais, là, ça nous fait voir large. Hein. Hop. Et ensuite. Du slate, c'est rare ou pas? Non, c'est le granit qui est pas trop rare. Granit, granit, granit. Limestone. Ouais, il falloir ramener tout ça. Ok, pour l'instant, faites tout ça en slate et on va voir quand vous aurez fini. Mais de toute manière, ça dépend que d'une seule chose. C'est si on a quelqu'un pour faire les blocs ou pas. Et ce quelqu'un, ça doit être Skull et Herring. Normalement, je voudrais qu'il fasse ça vraiment le plus souvent possible. Je vais dégager l'art pour le moment. C'est bien d'avoir de l'art, mais là, c'est tellement. Oh, ça va, il n'y a personne qui fait de l'art. Donc. Non, Jenkins, Craft. Non, Craft, c'est bien aussi. De l'art, de l'art. On va être sûr que personne fasse de l'art là. Guilty, il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de faire de l'art. Bon, je lui laisse au cas où. Tattered People, Jenkins. Jenkins, Jenkins, Jenkins. Tu t'es soigné accessoirement là? Ça va comment ton bras là? Que t'as perdu? Et que je vais avoir du mal. Major, développe immunity. Eh bah très bien. J'ai même pas eu besoin de te surveiller que t'as développé une immunité. Ideus environnement. Oh, putain, faut vraiment quelqu'un pour nettoyer. Oh, je sais pas quoi faire. Il y a tellement de choses à faire. J'aimerais recruter quelqu'un en fait, absolument. La prochaine fois, je recrute quelqu'un, peu importe qui il est, je le recrute parce que c'est vraiment, vraiment la galère là. C'est vraiment, vraiment chaud. Ok, donc on disait que t'avais des choses qui étaient pourries, du genre alpaca wool chaudie. Ouais, on va dégager ça. Non, c'était ça. Boum. Ok, donc tu iras te rhabiller. Très bien, les murs continuent à se développer. Que fait Skull? Consuming fine meal, consuming fine meal, carrying fine meal, hauling rice. Et là, tu fais hauling rice. Prioritize, faire du truc comme ça. Je vais te. Au niveau du hauling. Oh putain, il y en a encore tellement. Il y en a tellement, 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 tellement. Le haul, pourtant, tout le monde est à 1. Il faut baisser la priorité sur le gros. Je pense. Et on va laisser Herring. Ah non, non, non. Obligatoire parce qu'on a le devil machin. On a combien en. Pff, de toute manière, c'est l'hiver bientôt et on pourra plus faire tout ça. Donc je pense que ça va les libérer. Très bien. Il y a tous ces vêtements aussi qui sont à transporter. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de hauling, genre que ce soit moins le bordel. C'est un bordel monstre en fait cette baraque. Et il y a de la poussière, l'environnement est pas bon, il y a des gens qui font des. Ouf, il y a des gens qui font des crises à cause de ça, donc c'est pas cool. Ouais, il nous faut vraiment du granit, tout ce que tu peux, Skull, hein. Tout ce que tu peux vraiment, c'est le mieux que tu peux. Donc là, je crois que tu nous as fait du slate, du granit. Ah, c'est génial ça. Muguet va se réveiller, il va aller enchaîner ça tout de suite. Oh, Jenkins se réveille tôt. Mais dis donc, tu nous refais nos repas. Ouah! Oh, le carry. Oh, GG, GG, c'est super. Accessoirement, ça c'est construit, il fait combien là-dedans? Il fait 18 degrés, c'est cool. Et dans ça, il fait 3 degrés, 3 degrés, c'est moins bien. Alors, on va essayer de refaire la même installation ici. Malheureusement, on n'a plus de style, donc c'est même pas la peine d'y penser. Je pense que Pipoun va se les cailler de fou. Ça, c'est dommage. Qui c'est qui dort ici? C'est Muguet, cet honneur. Muguet dessous, c'est bon. Skull, Jenkins, Unowned, Herring, Guilty, Pipoun, Unowned. Ok, c'est très bien. Notre slate wall grandit. Bah, de toute manière, faut juste que Skull il se sortait de du cul. Qu'est-ce que tu fais, stone cutting? C'est parfait. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ok, ça nous fait avancer. C'est génial. La médecine, elle est là-dedans. C'est parfait aussi. Ça, c'est bien plaisant. Comme ça, je sais où elle est. Qu'est-ce qu'on a comme qualité là? Bah, de toute manière, ils ont juste qu'à changer. Oh, regardez ça. Ah non, j'ai cru que c'était du Davis Trend. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Dommage. Dommage, dommage. Ok, on continue comme ça les gars, on y croit, on va bientôt avoir notre défense, le parti a fini, j'avais même pas vu que ça s'était passé, je peux leur lâcher les mains, tout se passerait bien quoi.
Ah là, si c'est pas beau. Ce qu'on pourrait faire aussi, avec toutes ces stone cuts qu'on est en train de faire là. D'ailleurs, Jenkins est en train de faire du hauling. Et bah, tu sais quoi, je vais te laisser faire. C'est juste que Skull, faut que je surveille. Erin, qu'est-ce que tu fais? Building granite wall, parfait. Muguet, building limestone wall, c'est parfait. Pipoun, wearing ou red machin, donc ça c'est parfait. Building limestone wall, ok, tout le monde fait le mur. Et si Pipoun, t'allais nous faire des pierres? Faut qu'on ait un flux continu, tu vois, parce qu'on a quand même 3-4 builders, tu vois. C'est pas mal. Et donc faut diversifier un peu les matériaux aussi. Au bout d'un moment, je pense que par rapport au compte de pierre qu'on aura à gauche, on pourra du coup savoir ce qu'on a en trop ou pas. Pour l'instant, j'essaie de repérer une autre zone de style. Et en fait, on a encore cette zone-là à faire. Donc on va reprendre une zone et on va la désigner pour le minage. Mais en fait, on va prendre tout ça carrément. Et on va tout couper. On va tout couper. Et ça. Bah, de toute façon, tout est désigné pour le hauling et on a cette zone-là qui est déjà remplie de trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer, cancel le hauling. Voilà, sur tous ces blocs. Ouais, non, on va le laisser. Ah, est-ce que le truc, en fait, c'est que du coup, je leur demande de transporter des choses, mais j'ai déjà désigné tout ça à transporter, donc ça sert à rien. Donc, on va retirer. Et voilà, ce sera peut-être plus simple après tout. J'ai pas démarré mon chronomètre pour cet épisode, ce sera peut-être un peu plus long que l'habitude, mais je suis juste bien, je m'amuse bien. Et je vois que la colonie avance vraiment, enfin moi je trouve qu'elle avance méga rapidement. Je sais pas, mes camarades. Ah oui! Deux petites choses à savoir, c'est que mes camarades Jenkins et Letton, du coup, en voyant la série dès les premiers ou même premier et deuxième épisode, eh ben, ils ont acheté le jeu ou ils ont acheté le jeu pour la majeure partie d'entre eux et ils ont commencé à jouer et ils se sont démarré leur aventure. Et j'ai eu quelques histoires sympas comme les miennes. Et du coup, ce qui est génial dans Rimworld, c'est d'avoir une AI qui te génère une histoire un peu dynamique, quoi. Là, par exemple, elle est vraiment, vraiment sympa enfin, à l'heure actuelle, parce que je pense qu'elle nous a bien fait baver à l'époque avec la peste, en même temps la heat wave mélangée à la peste et machin. Là, du coup, elle se calme un peu. Elle nous ramène, du coup, là, enfin, des traders. Et en plus, on avait une partie, et donc ça, c'est génial. Tout va bien dans la colonie. D'ailleurs, je propose de regarder rapidement les stats de la mood. Et ça y est, on est revenu à 60. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus, mis à part peut-être à laver un peu l'environnement. Mais pour la majeure partie, on est bon, on est parfait. Et on continue comme ça. Par contre, on s'approche de l'hiver. Là, on va peut-être morfler. Et j'espère qu'on aura du style d'ici là. Alors, qui est notre warden? C'est Jenkins avec son super skill social, donc on va aller chercher Jenkins qui est réveillé et on va lui demander d'aller nous faire un super trade. Il va falloir que tu nous obtiennes le meilleur prix, mon pote, parce qu'on a les choses à vendre. Donc là, déjà, tout ce qui est pour. Donc là, tous ces trucs-là, on vend. Donc là, on va se faire des sous aujourd'hui, là. Alors, ils ont plein d'animaux à vendre. Nous, on pourrait leur vendre. Moi, j'aimerais bien leur vendre le petit rat, là, qu'on avait à un moment. Le pistolet pour. Non, on va pas le. On va le garder. Le bow, on va le vendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pila supérieure. Ouais, on va la garder. Chaudi. Ouais, les bows, j'en ai un peu ras le fion. Shotgun et pila, on les garde. Shotgun, chaudi, on va le vendre. Chaudi, 1%. Du coup, ça se vend rien du tout. Ah oui, en fonction du pourcentage de. D'accord, en fonction du pourcentage, en fait, c'est. Du coup, ça te permet de se débarrasser de ça, en fait. Donc là, pareil, 35, on dégage. Ça, c'est quoi? 60, on va. Ouais, mais il est chaudi. Ouais, chaudi, c'est pas bon, ça. Quand ils ont des trucs comme ça, c'est pas terrible. Au full, pareil, pour. Chaudi, pour. Ouais, mais aussi, on n'est pas des bons Taylor, donc on ferait bien de garder tout ça. Qu'est-ce qui a un faible pourcentage encore? Ça, la tuque à 2%, allez, vend 1 centime, quoi. Magnifique, merveilleux. Ça nous fait donc. Là, on récupère 95. On récupère 95. Oh, la parka, la wool parka chaudie, elle se vend quand même 88. Hein. On va la garder pour l'hiver, on sait jamais. Du kibble. Ah ouais, non, il veut pas trader ça. Peut-être parce qu'en fait, on n'a pas un skill social super élevé avec Jenkins. Pour l'accepter de toute manière, il va falloir traiter avec les prisonniers et tout ça. Le prochain prisonnier qui passe, de toute manière, je vais essayer de le garder. Oh, de la pemmican, super. Ça, pareil, je voudrais en faire un stock pour le jour où on aura la recherche nécessaire. Ok, donc notre mur continue d'avancer super bien. Que fait Guilty? Taming d'eau. Oh là, c'est un gros gros fil rouge que tu nous fais là. Hein. Fire, où ça? Il a déjà disparu, c'est nickel. Tâteur d'appareil pour Guilty, Pipoun et Jenkins. Guilty, Gear.
Au full, dégage, guilty, ensuite c'était pipoun, hop, gear, 30%, ça dégage, et ensuite c'est Jenkins, hop là, Jenkins, 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 tu vas me retirer du coup cette jacket. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser la fabrication de parka pour faire en sorte que. Hop, ça. Et on va retirer les t-shirts, on va juste les prioriser en fait. Et on va descendre ça. Comme ça, ils ont peut-être un peu plus chaud. Parce que je crois que c'est ce qui tient chaud les parkas durant l'hiver. Voilà. Qui c'est qui est pas occupé là, accessoirement? Guilty Harvesting, Hill Route. Oh, ça c'est merveilleux. Digging at Granite. Ça c'est notre digger, c'est Jenkins. Pour le coup, Muguet, il fait quoi? Digging Granite, Pipoun, Consuming 5000. Sowing coton plante. D'accord. On va laisser tout le monde un peu à leurs activités. Je regardais si je pouvais pas mettre quelqu'un à la coupe, à la coupe de la pierre. Mais en réalité, on a des blocs. Est-ce qu'on a des blocs encore? Non, je pense qu'en fait, Muguet, tu sais quoi, vu que t'es un constructeur, hop, c'est toi qui t'y colle. Parce que du coup, il nous faut juste la blinde de pierre. Et il faut y croire. C'est tout. Ou alors le mieux, ce serait que ce soit Herring, en fait. Toi, je vais te donner à faire une autre activité comme... qu'est-ce que tu peux faire? Tiens, hauling. Va me hauling ça. Et Herring, tu reviens ici. Et tu vas me faire... not assigned to crafting? Bah. Be. Craft. Herring, t'as quel skill? 4. Et bah hop, c'est parti. Tu seras notre dedicated crafter. Donc c'est reparti. Non, Muguet, t'as pas compris. Va faire genre. Un... Bon bah ok, c'est très bien. J'ai rien dit. Fais ce qu'il faut pour. T'as tous les blocs qui nécessaires normalement. Et en plus, il faut aller couper du bois. D'accord. C'est chaud de garder un œil sur tout hein, comme ça. Hein. C'est vraiment assez compliqué. Très bien. Est-ce qu'on peut couper tous ces bois-là accessoirement là? Tout ce qui est là. Oui, parfait. On a une sacrée baraque maintenant. Hein. Les traders s'en vont, ils nous ont débarrassé un peu notre grange, c'est nickel. Très bien, on n'a pas de message d'alerte, ça, faut que ce soit holé, je veux que tout soit rangé. Alors Skull, qu'est-ce que tu viens nous chercher là? Tu vas nous transporter ça, je vais surveiller un peu ce qu'il fait Skull aujourd'hui là. Hauling cloth, parfait. C'est prioritaire ça. Mets-nous tout ça en ordre, mets-nous tout ça en ordre. Silver 95, ça sert bien que ce soit mis à sa place, ça aussi, dis-moi. Oh, et ça, Fuel Smithy, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans déjà? Longsword, ça se trouve, on a une longsword quelque part. Un, pas du tout. C'est juste qu'il faut le refueler en fait. Ça serait bien qu'on réussisse à faire des Electric Smithy, mais je crois que c'est une recherche. Genre, Electric Smelting, exact. Ah non, c'est Smithy, c'est pas pareil, je crois. Ok, bref, je pense que l'épisode est assez long. Je crois qu'on est arrivé à terme de cet épisode. Faisons un petit récap de ce qui se passe. On a réussi à avancer nos murs et nos défenses. La prochaine fois, je vais poser du coup la suite des murs, comme ça, tout autour. S'il y a besoin de les agrandir, je les agrandirai. Et ensuite, on va essayer pour la prochaine fois de continuer à faire des... Du coup, essayer de faire une espèce de petit labyrinthe avec des sandbags et reprendre la recherche définitivement pour pouvoir. Do 1 is being attacked par Timberwolf. Est-ce que c'est sérieux? Alors, avant ça, Fire à Timberwolf, Herring. C'est parti. Le ratez pas, les gars. Skull, viens ici. Guilty, oui, Guilty, parce que si Guilty laisse ses apakas, je pense que ça ira plus vite. Guilty, où es-tu? Est-ce que tu es loin? Oh putain, il est dans la pampa là. En train d'essayer d'aller tamer le méga machin. T'es mort. Je sais pas ce que je fais, mais je vais te casser moi. Je vais te casser en deux. Fais voir, est-ce que ta vie descend? Voilà, Bloodloss, Gunshot, Alpaca, et voilà! Et voilà ce qui se passe quand on fait le débile. J'ai quand même perdu un dos, ça c'est triste. Ah, ça c'est pas cool. Ok. Bon, on va laisser Skull l'achever. Donc voilà, pour la prochaine fois, on va mettre en place nos défenses, les murs, des sandbags. On va reprendre la recherche pour aller jusqu'à où? Pour aller jusqu'à la... Comment ça s'appelle? Gun Turret. Et ça, quand on aura les Gun Turret, ça va chier les copains. Ça va chier. C'était Skullmasher pour l'épisode 7 de RimWorld. À la prochaine pour l'épisode 8.
tous les jours à 19h. Bye bye!